Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le troisième épisode des situations. Je rappelle que vous pouvez contacter mon compte les espaces situations écrits comme ceci si vous avez une situation à partager. Je vous rappelle que ce ne sont que des situations qui sont reliées à Movistar Planet, donc vous pouvez commencer votre message comme Briella. Donc situation sympa, situation bug, situation drôle, situation chelou. Situation paranormale aussi, puisqu'il y en a aussi des situations paranormales, et je rappelle, reliées à Movistar Planet, voilà, pas dans la vraie vie, etc. Et j'ai également un mail à votre disposition dans la barre de description si vous avez des images, des screens à me partager pour les faire passer en vidéo, voilà, donc il n'y aura pas d'image pour cette vidéo-là. Et c'est parti, donc situation sympa de Briella, j'étais dans une salle de chat et je cliquais sur les bounis pour récolter les starcoins. J'avais laissé ma souris sur un bounis et le cœur s'affichait après la personne qui avait ce bounis est partie de la salle et le cœur est resté sur la souris. Alors je ne sais pas, on avait quelque chose de similaire dans la situation 1 ou 2, je ne sais plus, qui parlait de la personne qui disait que le cœur était resté sur le bounis, mais c'était pas un bounis que je crois, c'était un bounis d'une chambre qui était là et qui restait là. Et du coup, le cœur était resté sur le bounis, donc c'est une situation qui arrive, je pense, plus qu'on ne le penserait. Alors, Chacha qui nous partage, situation chelou. J'étais avec un autre compte à moi, je suis allée dans une salle de chat, normal, et il y a un mec qui m'a demandé en ami, il a dit « viens dans ma chambre ». J'y suis allée comme une débile, et là, il a fait des trucs chelous avec ma Movistar. Alors, je sais pas, on peut prendre... Je pense savoir de quel genre de truc chelou. Même si tu le précises pas. Alors si c'est le genre de truc chelou, mais utilisons les mots qu'il faut, sexuels, le mieux c'est quand même de signaler cette personne, parce que peut-être que toi ça t'a fait rigoler. Bon, je pense que moi aussi j'aurais rigolé, mais il y a des personnes qui sont très très jeunes, qui jouent à Movistar Planet, genre même des fois moins de 10 ans, même souvent. Ce qui est normal, parce que c'est un jeu qui convient très bien à ce genre de tranche d'âge, mais ça peut choquer certaines personnes. Et je pense que ce comportement, normalement, est interdit. Je pense que ça doit être marqué quelque part dans le règlement. Donc n'hésitez pas à signaler ces personnes, à les bloquer. Voilà, franchement, c'est chaud quand même. Hein. S'il serait tombé sur une petite... voilà, ça, c'est pas... Voilà. Elena 57, les situations, j'avais des demandes d'amis fantômes. Alors ça, c'est pas vraiment spécial, on va dire qu'à une période où je faisais les vidéos paranormales, il y a eu une surpopulation d'esprits, de fantômes et tout et tout. Voilà, il y a toujours des personnes qui aiment bien le paranormal, je suppose. Miss Roxy 77 qui a eu, je pense, une mauvaise expérience avec un garçon sur Movistar Planet qui nous dit un jour, je filmais une vidéo MSP, un mec est venu me voir en disant hey bébé ça va, je lui ai dit calme-toi, je te connais pas, tu t'es trompé, et m'a répondu mais si enfin ça fait longtemps qu'on est ensemble, et il a dit il a dit arrête, je t'ai dit que tu t'es trompé, je pense que c'est toi qui as dit ça, et il a commencé à me spammer, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et aussi il a demandé des trucs chelous du genre bébé redonne-moi ton homme, et tout, je l'ai bloqué, je suis allée dans ma chambre, et là j'ai vu son compte en plusieurs fois, bébé redonne-moi ton numéro, et après il disait je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est très chelou, au bout d'une demi-heure il a demandé une photo, et après je répondais plus, donc il a dit puis c'était nul, de toute façon j'en ai trouvé une, c'est fini entre nous. Voilà ma situation chelou et bug, c'est la veste, merci beaucoup. Oui, donc ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, voilà, si vous avez des garçons qui sont assez chelous comme ça, assez trop entreprenants, trop relous, hein, on va dire ça, c'est limite situation relou en vrai. On devrait appeler ça situation relou, même pas chelou, ça c'est vraiment situation relou. Et non, franchement, je sais pas comment t'as fait pour parler avec eux aussi longtemps, à moins que si c'était pour ta vidéo et que c'était pour rigoler, je peux comprendre. Mais moi, personnellement, je pense que j'aurais perdu patience dès le départ et j'aurais bloqué direct. Hein. J'aurais pas cherché trop trop longtemps. Hein. Pour Amy, c'est un bug. De temps en temps, je ne sais pas pourquoi mon compte se déconnecte tout seul pendant que je joue. Et je sais qu'on ne me pirate pas parce que je n'ai jamais donné mon mot de passe à personne. Une fois, j'ai attendu au cas où, mais je suis revenue normale et rien n'avait changé. Alors, je sais pas si c'est un bug de jeu, mais c'est très bizarre et ça surprend quand ça arrive la première fois. Alors, moi, des fois, ça m'arrive, mais ça me dit quand même que Flash a cessé de fonctionner ou Flash a déconné. Alors, je sais pas si t'es sur Windows, sur Mac, peut-être que sur Mac, ça te déconnecte sans te prévenir. Mais voilà, une Flash, des fois, déconne parce que le site est trop surchargé, ça peut arriver.
En général, il devrait quand même y avoir un message de flash. Si c'est pas ça, moi, ta place, vraiment dans le doute, moi, ta place, je changerai mon mot de passe, histoire de, et bien éventuellement, si ce n'est pas déjà fait, associer un mail à ton compte et changer le mot de passe ensuite pour être sûr que ce soit pas, voilà, vraiment vraiment te ôter le, même si tu te dis que tu as pas donné le mot de passe, si c'est un mot de passe qui est pas non plus super compliqué. Il y a certaines personnes qui peuvent utiliser des logiciels avec lesquels, en fait, le logiciel travaille à leur place et tente plusieurs mots de passe sur ton compte. Et au bout d'un moment, peut-être que bingo, boum, il trouve et se connecte. Donc, c'est un mot de passe qui n'est pas trop compliqué. Même si tu l'as donné à personne, quelqu'un peut quand même le trouver grâce à un logiciel. Donc, vraiment, change ton mot de passe. Essaye de mettre, je ne sais pas s'il est long ou court, comment il est, mais essaye de mettre un mot de passe quand même un minimum compliqué. Et si tu as peur de l'oublier, n'hésite pas aussi à te l'écrire sur un bout de papier ou sur un bloc-notes dans le coin de ton PC. Pour Devoria 973, un moment, j'ai acheté des habits du thème et j'ai eu un rare. J'étais en mode, what, si tu veux, regarde la vidéo de Xgabin MSP. J'ai vu que je n'étais pas la seule. Et en tout cas, maintenant, ça ne marche plus. Es-tu m'accepté sur Quinza, s'il te plaît? Alors, pour Quinza, je ne sais pas actuellement, je lag trop pour me connecter dessus. Mais pour ta situation, eh bien, ça arrive des fois que je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est pas voulu, mais ça arrive souvent que des fois, ils mettent des petits rares en mode, genre, quelques jours avant que vraiment les rares sortent, alors qu'on est prévenu qu'ils sortent. Je pense qu'ils doivent configurer le site pour préparer le site à avoir les rares le jeudi et que ben ils se trompent dans les codes et que finalement il y a quelques petits rares qui se retrouvent dans la boutique. Je pense que ça peut arriver, je pense que c'est de ça que tu parles, enfin du moins j'espère que j'ai compris que c'était ça. Une fois je suis allée jouer au QI sur MSP, j'avais gagné et je pouvais récupérer les récompenses des roues de fortune et j'ai gagné 1000 star coins au lieu de 200. Encore aujourd'hui je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors là, je pourrais pas t'aider, hein, tu sais, des bugs. Je pense que sur MSP, il y en a tellement finalement que là, c'est difficile à trouver. Mais là, franchement, je pourrais pas te dire parce que Mr. Coin, je pense que c'est même pas possible en vrai. Sur la roue, il n'y a pas d'option Mr. Coin. Donc je pense que t'as eu de la chance. Voilà, donc bah, GG à toi. Je peux rien dire d'autre. GG à toi. Angélique, coucou Quinzel, situation bug trop cool. Tu vois, une fois j'étais sur le shopping et j'essayais sur un ancien compte non VIP et sans diamant des habits avec diamant et habits VIP. Et j'ai mis acheter pour rigoler et je pouvais avoir tout ce que je voulais pendant juste un jour, mais c'est déjà ça. Sauf qu'on va pirater, bref, bisous ma Quinzel. Alors moi ça me fait penser à un autre bug qu'il y avait eu un moment. C'était, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un bug dans lequel on pouvait, si on avait au moins un diamant sur soi, acheter tous les objets, enfin tous les vêtements diamants sans rien payer. Et moi, comme par hasard, à chaque fois qu'il y a des bugs de folie comme ça que j'aimerais bien profiter, je suis jamais là au bon moment. Voilà, c'est comme le VIP qui était en vente à 1€ une fois dans le shopping. J'étais pas là, voilà. Message de Bad Boy, salut Quinzel, c'est pour te raconter une situation pas vraiment gênante, mais bon, je jouais à MSP, normal, donc je m'ennuyais, donc je me suis fait un look sur le shopping, mais le look que j'avais fait était tellement beau que j'ai voulu acheter, mais il me manquait 700 star coins à peu près, et là quelqu'un me fait deux saluts, j'étais trop content, mais là, le drame, dans les saluts, je n'ai reçu ni les star coins, ni les fame, j'étais dégoûtée, donc j'ai envoyé un mail au modo, mais ils ne m'ont jamais répondu, mais maintenant j'y reçois, tout est bien, qui finit bien. Alors, ta situation m'arrive très 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 fréquemment, souvent quand je suis en live et que je déco Ruko, les premières salutations, je sais pas, je reçois pas les fame ni les star coins. Alors peut-être que plus tard ils reviennent par magie, j'ai jamais fait attention, en même temps je note jamais combien que j'ai de fame, je note jamais combien j'ai de star coins, mais faudrait tester. Je sais pas si toi, si ça t'est arrivé récemment ou pas, si après que t'as vérifié peut-être que t'as reçu des star coins finalement, mais que ça a mis du temps, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est pas trop cool de la part des modos de ne pas avoir répondu. Après, j'ai envie de te dire, hein, les modos, ils sont pas super sur le jeu. Hein. Franchement, faudrait soit changer l'équipe de modération, soit changer quelque chose, mais ça va pas du tout avec les modérateurs. Je suis pas la seule à le dire. Alors, c'est vraiment une mauvaise journée pour Jennifer Lopez. Qui nous dit, une fois je suis partie dans un chat et je me suis allongée. Je suis partie aux toilettes, parce que j'adore Madame Toilette. Ma petite dédicace pour Madame Toilette. Je rappelle qu'elle a sa propre chaîne. Si vous tapez Madame Toilette MSP sur YouTube, vous tomberez sur sa chaîne. Et je suis revenue, un mec, tu vas être dégoûté, il faisait des pompes sur moi.
Mais c'est quoi ces mecs relous là? Et je suis revenue. Ça, j'avais fait des pompes sur moi. Après, je voulais me faire VIP gratuit. Je regardais une vidéo. La vidéo était fake. Du coup, j'ai payé 75 euros sur le compte de ma tante. Et ça ne m'a même pas fait VIP. PS, j'ai un compte contre Madame Toilette qui s'appelle Poubelle. Comme tu peux m'envoyer un message dessus, s'il te plaît, lol. Non, tu es l'ennemi de Madame Toilette et tu veux que j'envoie un message encore? Alors, en ce qui concerne d'abord le garçon, bah écoute, situation relou, on peut pas y faire grand chose à part... Bon, on va même signaler pour ça, c'est chaud, parce qu'il n'y a pas eu de parole, etc. Déplacé, c'est vraiment juste dans les... Voilà, dans le comportement physique, hein. On peut pas faire grand chose contre ça. Par contre, si on peut en parler de ça, effectivement, des vidéos fake que vous pouvez avoir gratuitement. Alors, ce n'est pas possible d'avoir gratuitement, à moins de passer par des hacks, etc. Et faites très attention lorsque vous faites ces techniques-là, parce qu'en général, si ça vous demande un code par téléphone, même si après le VIP marche, et ben du coup, vous aurez quand même une facture de moins 75 euros sur votre téléphone et vous ferez, je pense, engueuler par vos parents. Parce qu'en fait, voilà, il y a des sites qui vous proposent des VIP soi-disant gratuits contre des codes que vous pouvez envoyer avec votre téléphone, mais les codes ne sont pas gratuits. C'est pas gratuit. Il y a pas grand-chose qui est gratuit dans la vie. Donc faites très attention et faites surtout attention de ne pas vous faire avoir par des sites chelous. Situation d'Héloïse qui est à peu près similaire à la chanteuse française qui parle justement de garçons qui leur parlent. Presque tous les jours, et Marcel ça m'énerve, donc voilà, j'ai pas, il y a des vidéos, enfin il y a des messages comme ça que je zappe parce que j'en parle déjà souvent et je veux pas non plus vous saouler avec ça dans toutes les vidéos de situation, j'essaye quand même de mettre de l'originalité et de montrer des choses qui ne sont pas déjà apparues. Pour les personnes qui m'ont envoyé des messages à peu près similaires à des messages que j'ai déjà répondu, je ne vous répondrai pas tout le temps. Bon, de temps en temps, peut-être que j'en reparlerai au bout de X vidéos de situation, histoire de, voilà, de remettre un petit peu... voilà, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde toutes les vidéos non plus. Mais pour tout ce qui est les gens qui vous harcèlent, qui vous parlent régulièrement, qui vous demandent des choses que vous ne voulez pas, eh bien, il vous suffit tout simplement, il n'y a pas de solution miracle, tout simplement, enfin si, s'il y a une solution miracle, c'est de bloquer. Bon, après, elle n'est pas si miraculeuse que ça si la personne, elle recrée des comptes pour continuer. Mais vous inquiétez pas, ça revient au fait que je disais ça tout à l'heure ou dans la situation 2, je ne sais plus. Une personne qui recrée des comptes pour continuer à vous parler, c'est plus facile pour vous de la bloquer, ça vous prend pas beaucoup de temps. Alors que la personne, ça met déjà un peu plus de temps à créer un compte. C'est un peu plus chiant, un peu plus long. Donc n'hésitez pas à bloquer la personne et à bloquer ses comptes si elle décide d'en recréer pour continuer à vous saouler. Lily Roqueux, salut Kinzel, je m'occupais de mes pets-pets, un moment je les nettoyais et là plus d'yeux, et ben maintenant il a plus d'yeux mais ça me perturbe. Bah écoute Lily, moi ce que je te propose c'est que tu m'envoies un screen parce que je suppose que moi je verrai le pet-pet avec ses yeux normaux et tout. On va peut-être faire un tour dans sa chambre histoire de vérifier, on sait jamais, peut-être que moi aussi. Mais dans le cas où moi je vois avec les yeux et que toi effectivement tu le vois toujours sans les yeux, n'hésite pas à m'envoyer un screen, une image de ton pet-pet à l'email qui est marqué dans la description. Parce que je rappelle, vous pouvez m'envoyer des images de vos bugs ou des fois de vos messages chelous s'il y en a ou des trucs chelous sur l'email qui est dans la description. Il me semble que c'est des situations msp @gmail.com, enfin c'est un truc comme ça, mais de toute façon vérifiez dans la description. Je t'adore. Et j'ai un concours de Audrip. Alors, on va aller voir ça. On va aller dans la chambre. Voilà, donc je pense que ça va être le dernier message. On va vérifier ça. Alors. Bah, il me semble que moi, je les vois tous avec des yeux. Même celui avec les lunettes. Ouais, à peu près. Et c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, on va voir autre part parce qu'il peut y avoir d'autres pet-pets. Ah peut-être, sinon c'est pas des pet-pets ça, on dirait hein, des pet-pets. Hein. Moi je me trompe des fois, bah écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Et ils sont tous dans le séjour. Mais ouais, moi je les vois, bah tiens, on va en profiter pour les caresser, même si ça donne pas grand-chose. Ah, mais c'est pas un pet-pet, ok. Donc il y a 2, 4, 6 pet-pets. Bah écoute, moi je les vois tous avec les yeux ouverts, les yeux normaux. Mais si effectivement chez toi ça apparaît d'une façon différente, n'hésite pas à m'envoyer le screen, ça me ferait plaisir de le montrer en vidéo. Et sur ce, j'espère que ce troisième épisode des situations vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à contacter des situations si vous voulez partager une situation.
je rappelle, qui est en relation avec le jeu, bien sûr. Tout ce qui est les situations qui sont déjà passées ou qui ressemblent à des situations qui sont déjà passées, bah, je les referai pas, puisque voilà, au bout d'un moment, ça va vous saouler si on fait le tour à chaque fois des mêmes messages. Et pareil, l'email, si vous avez une image. Sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.